le souffle de vie, has given us the breathing of the life, nous a accordé cette occasion, opportunité de nous réunir dans sa présence. Give us this opportunity to be in His presence. Que son nom soit loué à jamais. His name be blessed forever. Est-ce que êtes-vous prêts pour écouter la parole de Dieu? Are you ready to listen the word of God? Et on a, ok. La famille Lévi de l'anniversaire de sa fille qui totalise 8 ans. Let's read into Exodus. Amen. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que vous êtes bien portant. Amen. Je vous aime bien. I really love you. Je vous aime de tout mon cœur. Ce n'est pas par hypocrisie. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Here into Exode chapter 3. Nous commençons au premier verset jusqu'au 12e verset. Going down to verse 12. Exode chapitre 3, nous lisons au nom du Seigneur. Exode chapter 3, we read into the name of the Lord. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière les déserts. Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, Jethro, the priest of Midian, and he led his flock to the west side of the wilderness. Et vint à la montagne des dieux à Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. And he came to Horeb, the mountain of God, and the angel of the Lord appeared to him in flame of fire out of the midst of the bush. He looked and behold the bush was not burning. Moïse dit, je veux me retourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. And Moses said, I will turn aside to see the great sign why this bush is not burnt. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. When the Lord saw that he turned aside to see, God called to him out of the bush, Moses, Moses, and he said, here I am. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Then he said, do not come near, take your sandal out of your feet, for the place of which you are standing is a holy ground. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob. And Moses hid his first fall. He was afraid to look at God. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Then the Lord said, I am surely seeing the affliction of my people who are in Egypt, and I have heard they cry because of the taskmaster. I know their suffering, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptian, and to bring them up out of the land to a good and a broad land. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le lieu qu'habite le Cananéen, le Zétien, les Amoréens, le Phérésien, le Zéphien et les Jébusiens. And I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them out of the land to a good and a broad land, a land flowing with milk and honey. And the place of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir
d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. And now behold, the cry of the people of Israel has came, or has come to me. And I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. But Moses said to God, who am I that you should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, but I will be with you, and this shall be the sign for you. Then I have sent you, when you have brought the people out of Egypt, you shall send God on this mountain. Que le Seigneur vous bénisse. May God vous pouvez vous asseoir. You may sit. Prions le Seigneur. Let's pray the Lord. Père Céleste. Heavenly Father, nous te remercions ce matin pour cette grâce. Tu as conduit nos pas dans ta maison. Il est revenu, nous voulons entendre ta parole. Voilà, Seigneur. Parle au travers de nous. Et nous voulons voir le pas de cette parole dans la vie des gens. Que cela guérisse les malades. Que cela sauve les pécheurs. Que cela ramène les rétrogrades. Et que cela baptise du Saint-Esprit des cœurs. Oh Dieu, tu es mort pour cette église et rien ne peut faire obstacle. Toi, Esprit Dieu, qui cherches à lutter contre, tu n'as aucun droit légal. Je te déloge ce matin au nom de Jésus-Christ. Je lève le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me réfugie sous le sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Qu'il ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. The rich blessing upon the rim of his word. Et avant d'entrer dans mon vif sujet, j'aimerais vous dire ceci. Ne venez pas à l'église par habitude. Do not come in church by habit. Comme on dit, l'église c'est un rassemblement de beaucoup de personnes. Et là où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'esprits. Quand vous venez à l'église, vous n'êtes pas préparé. If you coming into the church, et si un esprit peut se jouer des fous. If there is an evil spirit, can prevent you. Et Frère Branham dit, il y avait dans une réunion, il y avait une femme. There was in the mailing, a elle woman, était sorcière. And so was rich girl. Et sa mission, c'était seulement pour perturber. Pour lancer le soleil au milieu des gens. Pour pousser les enfants à crier, à pleurer. Pour détacher l'attention des parents à la prédication. Mais si vous n'avez pas l'attention ou l'esprit spirituel, vous allez vous retrouver, vous êtes emporté par le piège du diable. Alors sachez ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et notre petit sujet ce matin, nous allons parler de l'appel que Dieu lance à son peuple pour sortir. To his people to come out. Amen. En d'autres termes, c'est l'exode. And in other words, we can say Amen. Nous venons de lire dans la Bible. And we read into dans the le livre d'Exode. Into the book of ça, c'est l'expérience que Moïse a fait avec and Dieu. This was the experience that Moses Amen. Went through. Vous connaissez bien l'histoire, nous ne voulons pas nous retarder dans l'histoire. Amen. Écoutez bien, suivez-moi très attentivement. La Bible dit ceci. And the Bible says, Moïse, Moses, vous savez comment la naissance de Moïse est venue. Moïse est né sur base d'une promesse. Son père, son nom, c'était Amram. Amram, c'était le père, le mari de Jochebed. The husband of Jacob, le père de Moïse. And the father of Moses. Il souffrait tellement. And was so suffering, mais il n'avait pas perdu espoir. He could not lose. Il souffrait tellement. He was so mais il ne s'était pas découragé d'attendre la promesse de Dieu. Et vraiment, chaque fois qu'on les flagellait, il criait, il disait, Seigneur, souviens-toi de nous. God, tu as promis de nous délivrer de la main des Égyptiens.
Amen. Et frère Balambi, pendant qu'il tombait à terre pour mourir, la semence était déjà dans Jochebed. And the sea was ready. Amen. Mais maintenant, regardez bien. Quand Moïse est grand, il a grandi. Il a commis des erreurs et il a fui. Il était dans le désert. Et frère Branham me dit ceci. Amen. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon père. J'ai entendu le cri que les font pousser ses oppresseurs. Mais écoutez cette phrase, dit ceci. Dieu connaît la situation dans laquelle tout et chacun de vous se retrouve ce matin. Il n'y a aucune situation qui soit étrange devant Dieu. Mais le grand problème n'amenez pas Dieu à agir dans votre saison. Attendez Dieu à agir dans sa saison. Amen. Même ce matin, même ce matin, vous êtes dans des situations différentes. Vous avez des cris, vous avez des pleurs, vous avez tout ce que vous pouvez avoir. Attendez-vous au Seigneur avec patience. Amen. Écoutez ce que fait Madame dit. Je suis dans l'exode, troisième exode. Amen. Faut Madame dit ce jour. Troisième exode. Du 30 juin 1963. Frère Madame dit ceci. Nous sommes en train de parler de l'exode. Il y a beaucoup d'exodes dans la Bible. Mais ce matin, nous sommes en train de parler de l'exode qui est ce que Dieu exige, qui n'est rien d'autre qu'une séparation. Amen. Ce n'est pas utile d'entrer dans des mystères si les gens ne saisissent même pas l'essentiel de l'évangélisation. Alors nous commençons vers le bas jusqu'à ce que nous allons monter. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce que signifie l'exode? L'exode signifie s'appeler à sortir. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Quand on parle de l'exode dans la Bible, Dieu fait avec Israël, c'est sur le plan naturel. C'est-à-dire, Dieu devait appeler Israël à quitter d'un pays naturel. Et les amener dans un autre pays naturel. C'est ce qu'on appelle l'exode. Quitter dans moving out et entrer en. C'est ça l'exode. Amen. C'est ce que Frère Branham dit au paragraphe 55. Il dit que c'était une séparation naturelle que Dieu exigeait. Il fallait qu'il puisse quitter l'Égypte vers la terre promise. Amen. C'est séparé de l'Égypte vers la terre promise pour une véritable adoration. Amen. Parce que faut madame dit ceci. La parole de Dieu exige une séparation totale. Dieu ne pouvait pas traiter avec Israël pendant qu'ils étaient encore en Égypte. C'est pourquoi Dieu a envoyé Moïse. Il a dit, va vers les enfants d'Israël. Va leur dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il m'a envoyé vers vous. Et quand Moïse est allé, comme je vous ai dit la fois passée, l'adoration commence quand Dieu envoie un prophète. Amen. Donc le fait qu'Israël a reçu le prophète, c'était le réveil qui avait commencé en Égypte. Amen. Mais maintenant, il devait se préparer pour quitter l'Égypte vers la terre promise. Amen. Suivez-moi très attentivement. Quand Moïse est allé en Égypte, quel était le but de la présence de Moïse en Égypte? C'était de faire quitter Israël de l'esclavage vers la liberté. Amen. Ce qui n'a pas été possible
dimension divine. Suivez-moi très attentivement. Frère Branham a dit ceci. Remarquez bien. Quand Dieu a envoyé Moïse, c'était dans un seul but, it was in one de leur apporter une délivrance, to bring them a qui devrait les faire passer de l'esclavage to bring them from à la liberté, to the freedom, à la délivrance totale. Total deliverance. Mais remarquez, now, Lord, quand Dieu traite avec Israël dans le naturel, sur le plan spirituel, nous sommes en train de parler de l'exode. C'est quoi? Ce n'est plus pas que vous devez quitter les Congo vers l'Afrique du Sud. Ce n'est pas ça l'exode dont nous sommes en train de parler. Quand nous parlons de l'église, c'est sur le plan spirituel. Et vraiment, on dit ceci, l'Égypte aujourd'hui, ça représente le monde. Dieu ne peut pas traiter avec toi tant que tu es encore dans le monde. Je ne peux pas traiter avec l'église tant que vous êtes encore dans le monde. C'est pourquoi, frère, on dit, on ne les a pas appelés une église pendant qu'ils étaient encore en Égypte. Pendant qu'ils étaient en Égypte, on les appelait les peuples de Dieu. Amen. Parce qu'ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient dans une situation où ils ne pouvaient même pas adorer. Et frère, on me dit, David avait compris la chose. Quand vous lisez dans les psaumes, on dit qu'il n'y avait pas de cantiques pendant qu'ils étaient encore en Égypte. Ce matin, quand je regarde, on commence à solliciter les cantines spéciales. C'est un signe du monde que leurs pères sont encore en Égypte. Comment ils vont chanter? Les cantines appartiennent aux gens qui sont totalement délivrés. Les cantines, c'est quoi? Le cantique, c'est un signe de victoire. Il y a un citoyen qui veut se tenir debout et chanter. Il est sous les cordes du péché. Il est encore sous l'emprise des pharaons. And you be taken by Pharaoh. Tu n'as même pas le temps de te consacrer. Tu n'as même pas le temps de préparer les cultes. Regarde, à 5 minutes de prédication, tu sembles déjà somnolé. Ça, c'est une malédiction. God is a curse. Ça, c'est une malédiction. This is a curse. Ça montre que vous êtes encore en Égypte. Vous vous attendez pas pour vous parler de Dieu dans la chair humaine. You want, you expect. Même Jésus n'a pas fait ça. Preach of God in the Bible. Quand il a reçu la vision, il a vu qu'on lui avait donné une petite chaussure. And he knows. Et on lui avait donné la chaussure qui était de grosse taille. And they give him a lancer. Et pendant qu'il était en train de forcer de faire passer les lacets dans les trous de cette petite chaussure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette chaussure. Small shoe. Et quand il essayait, il a échoué. L'ange est venu. Okay. Il lui a dit, tu ne peux pas enseigner de grandes choses aux bébés pentecôtistes. Comment on peut vous amener des grandes choses pendant que les ABC, vous ne les maîtrisez pas? Vous n'avez pas d'abord une bonne approche. Vous n'avez pas une bonne approche. You don't have a good basic. Comment on va vous donner des grandes choses? How will you receive the great things? Si vous aimez seulement le mystère, if you only on peut vous parler de votre séminaire. If you have only mais good vous avez la démangeaison. But you got a disease. Vous voulez seulement entendre les choses qui vous sont agréables à l'oreille. Mais vous avez une plaie mortelle. Ça, on a appelé ça, c'est la blessure mortelle du serpent. C'est un mauvais signe. That is a bad sign. En tant qu'un médecin, it's a physician, on doit d'abord chercher à guérir cette plaie-là. J'ai déjà changé ma prédication. Donc nous allons encore appliquer les détergents sur la plaie. Ça va encore beaucoup faire mal, mais c'est pour votre bien. Regardez seulement l'attitude que vous avez ce matin. Les gens qui ont jeûné deux jours au courant de la semaine. Mais vous êtes un peuple phénoménal.
Vous êtes, franchement, vous êtes un peuple phénoménal. Est-ce que vous avez d'abord changé? Qu'on se le dise seulement, soyons sérieux. Est-ce que cette attitude que je vois ne va pas continuer? Soyons seulement sérieux et sincères. Dieu est présent au milieu de nous. Celles qui ont respecté les jeunes, mettez seulement votre main en l'air. Celles qui étaient sérieux, Dieu voit votre cœur. God can see your heart. C'est presque la majorité. Que Dieu vous bénisse. It's more of people qu'est-ce, than God. Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Qu'est-ce qui se passe? What is happening? Je ne comprends pas. I do not understand. Comment vous pouvez jeûner et vous devenir encore beaucoup plus lourd? How come you fasted but you become much heavier? Bon, Dieu va vous aider. God will help you. Suivez-moi très attentivement. Listen carefully. Nous allons y arriver. We will reach there. L'exode, c'est la sortie. Is the going quitter un lieu, moving from vers un autre lieu. To another. Ça s'appelle exode. Mais quand Dieu traite avec l'Église, ce n'est pas sur le plan physique. L'exode dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas quitter Lubumbashi, aller à Kinshasa. Non. Nous, c'est sur le plan spirituel. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans l'exode. Paragraphe 88. Frère Branham dit ceci. Regardez bien. Dieu traite avec Israël dans le naturel. Mais il traite avec l'Église sur le plan naturel, spirituel. Why the exode? L'exode a une seule mission. The exode has c'est d'envoyer le peuple is to bring vers un lieu from a où ils peuvent être dans une attitude d'adorer. Where they may be in a worshiping attitude. Voilà l'exode. This is the exode. Quand ils étaient en Égypte, ils ne pouvaient pas adorer Dieu. They could not worship God. Tant qu'ils étaient encore en Égypte, while they were in the Egypt, la colonne de fer ne pouvait pas apparaître. Regardez l'attitude des gens.
occupaient la salle de réunion. Ils avaient leur esprit saint. Ils avaient le reste, c'est-à-dire ils avaient la sainteté persévérée. Ils étaient debout. C'était un peuple qui était prêt pour le voyage. C'était un peuple qui était prêt pour le voyage. Dieu appelle ce matin à l'exode. Vous devez quitter de vos traditions. Vous devez quitter de vos habitudes. Vous devez quitter de vos anciennes vies. Vous devez prendre une décision de servir le Seigneur avec le Seigneur possible. Vous devez prendre une décision comme Jésus avait pris et dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Vous devez arriver à ce stade. Avec la mondanité aujourd'hui, vous êtes choisi. Demain, vous êtes dans cela. Today you are in the world. Tomorrow you are. Ce matin, this morning, Dieu vous appelle à l'exode. Dieu vous appelle à quitter. God is calling you pour effectuer le voyage de 3 jours. Vous devez passer la mer Rouge. Vous devez traverser le désert et entrer dans la terre promise. C'était le type de la justification. C'est là que le réveil a commencé. C'était à la mer Rouge. Quand c'est là que vous n'êtes pas en réveil, c'est-à-dire vous n'avez pas la justification. Lorsque quelqu'un qui est justifié, savez-vous quoi? Quand vous regardez en arrière, le précepte est tombé dans l'eau. You can see a person falling. Ça va me dire ceci. Quand Miriam a vu, la personne qui était en train de le flasher, quand Miriam a vu, les oppressés à se noyer dans l'eau, elle a pris le tambourin. Ça va me dire, ça va conduit à la réveil. Ils nous ont pris à la justification. Ils nous ont traversé le premier jour. What God has done.
manquer la joie du salut? Pourquoi vous pouvez manquer la joie du salut? How come you don't have the joy of salvation? C'est parce que vous n'avez pas reconnu votre jour du salut. Amen. Nous avançons. We will move. Ils ont traversé la mer Rouge. They crossed the Red Sea. Ils ont été justifiés. And they were just justified. Et quand quelqu'un est justifié, regardez votre marche. Comment est votre marche? How is your walk? You're walking. Est-ce que réellement vous êtes déjà sorti? Are you really left out? Est-ce que réellement vous êtes déjà sorti? Are you really out? Ou bien vous êtes encore en Égypte? Oh, you're still in Egypt. Vous aimez encore les mini-jupes? You still like the short skirt? Vous aimez encore ceci, cela? And you like this and that? Qui vous a dit que quand vous avez les chemins naturels, c'est les signes que vous avez les baptêmes du Seigneur? Vous êtes naïf, vous êtes des scapés. Les saints catholiques sont plus naturels que toi. Qui t'a dit de venir au message, c'est une garantie. Nous allons y arriver. We will reach there. Nous allons y arriver. We will get there. Frère Branham dit ceci. Vous devez travailler dur pour votre salut. You can work hard for your vous devez prendre la décision. You need to take a decision. Si quand Moïse sortait avec les enfants d'Israël, il y avait des gens qui se disaient, moi je n'irai pas. There was other people saying, ils étaient restés toujours esclaves. Quand vous ne reconnaissez pas votre jour, when you don't acknowledge, quand vous ne reconnaissez pas le message de votre temps, when you don't acknowledge, vous allez toujours devenir esclaves. Mais Dieu a envoyé un prophète pour qu'il y ait l'exode. Amen. Et ce qu'on va me dire, le premier exode, c'est le type parfait du droit, c'est l'exode. Le premier exode était naturel, mais le deuxième exode est spirituel. Alléluia. Nous sommes en marche. C'est pourquoi, quand ils ont quitté l'Égypte, les appeler à sortir. Est-ce que Dieu vous a appelé? Comment vous avez reçu le message? Are you really called by God? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Did you receive the Holy Spirit when you were? Pourquoi votre marche est si difficile? Why are you walking so tough? Vous avez la blessure mortelle du serpent. You got a mortal wound of the snake. Si vous avez la blessure mortelle du serpent, il y a du bon en Galade ce matin. Il faut accepter la voie que Dieu a pourvue pour la guérison de votre maladie spirituelle. Amen. Suivez-moi très attentivement. And follow me. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu les a conduits tout droit dans le désert. Amen. La vie dans le désert n'est pas facile. La vie dans le désert est difficile. C'est le but de la sanctification. Amen. La sanctification n'est pas facile. La sanctification, c'est une vie de la repentance. Amen. Amen. Comment vous vous avez cru, vous n'avancez pas? How come you believe the word but you don't move ahead? Frère Branham dit ceci. Says, je n'ai pas le temps de lire ça. Sinon je vais m'éloigner. Frère Branham dit, en Christ, il n'y a pas de mauvaise croissance. And there is no, the ou de naissance mal formée. Pour du mal, il est né infirme. Non! Non! Soit vous êtes né, soit vous n'êtes pas né. Et quand vous n'êtes pas né, vous forcez les choses. If you're not born, then you force doing things. Amen.
pas vous décourager. I don't want to discourage you. Je vois les gens en train de me regarder. I see people staring at me. Nous sommes en train de vous donner le remède. This is the medicine. Pour que cela puisse vous donner la guérison. Amen. Suivez-nous très attentivement. Quand ils nous ont traversés, Dieu les a donné trois choses. Amen. Il y avait la colonne de feu. Il y avait le prophète. Et il y avait l'ange de l'alliance. Amen. Frère, ne me dire, il faut que ces trois choses soient réunies pour que nous puissions parler de l'exode. Amen. Tant que ces trois choses ne sont pas encore réunies, vous ne pouvez pas parler de l'exode. Il faut qu'il y ait la colonne de feu. Il faut qu'il y ait un prophète. Et il faut qu'il y ait l'ange de l'alliance. Amen. Mais suivez-moi très attentivement. Si pour Israël le naturel, tu avais prouvé un prophète, tu avais prouvé la colonne de feu, tu avais prouvé un ange de l'alliance. Avec l'église spirituelle, Dieu pourvoit la même chose. Il doit y avoir un prophète. Je suis dans Nombre. Nombre chapitre 9. Number 9. Nombre chapitre 9. Number 9. Nous commençons au verset 15. I'm going to read from verse 15. Écoutez-moi très attentivement. Listen carefully. Les jours où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrait le tabernacle, la tente d'assignation, depuis les jours jusqu'au matin, et elle fut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. 9, 15. On the day that the tabernacle was set up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, and in the evening it was over the tabernacle like the appearance of fire until morning. Okay, suivez-moi très attentivement. Now, when God led us out of the desert, and God brought them into the desert, and they were not on les a appelés une église. Quand tu l'église, Israël avait droit à l'adoration. Suivez-moi très attentivement. Israël avait droit à l'adoration. Amen. Alors Dieu a donné l'ordre de construire le tabernacle. Ils nous ont construit le tabernacle. Dans le nom de Moïse dit, il y avait pendant les jours la colonne de nuée. Quand la nuée s'est levée de dessus de la tente, and when the cloud were leaving the les day, enfants d'Israël partaient, and the children Israel were et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. The children Israel were camping in the Israël a suivi
nation. Dieu nous appelle à quitter le monde. God is calling us. Dieu nous appelle à quitter les traditions. God is calling us to leave our traditions. Dans un seul but. In one purpose. Aller l'adorer. To go and worship Him. Pourquoi aller adorer? Why going to worship Him? Parce que frère Bonhomme dit ceci. With the Bible says. La mission principale pour laquelle Dieu a créé l'homme. The main purpose that God created. Ce n'était pas pour travailler. It's not in order to work. Ce n'était pas pour faire des enfants. It's not about making kids. La mission principale de l'homme. Suivez-moi très attentivement. Est-ce que je suis trop rapide? Est-ce que vous saisissez quelque chose? Suivez-moi très attentivement. Suivez-moi très attentivement. Amen. Dieu a pourvu à la manne. God is providing. La manne, c'est quoi? What is the manne? C'est la nourriture des anges. That is the angels. Alors quand ils sont sortis, and when the Lord, de l'Égypte, from Egypt, ils sont arrivés au désert. They reach into the wilderness. Ils ont eu droit à la nourriture des anges. And they have got the food. Amen. And the food. Pourquoi la nourriture des anges? The food. Parce qu'il devait avoir la force pour le voyage. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Maintenant, nous allons nous éterniser ici. Now we're going to delay. C'est là où il y a même les secrets de l'Exode. That's where there is a secret of l'Exode. Écoutez-moi très bien. Now listen, quand vous lisez dans l'Exode, la Bible dit ceci. La manne tombait chaque jour. And the manne were flowering. Et précisément, c'était la nuit. And it was in at night. Amen. Suivez-moi très attentivement. Pay your attention. La manne ne tombait pas pendant les jours. The manne was not flowing. La manne ne tombait pendant la nuit. The manne was flowing. Et la manne ne tombait pendant six jours. The manne was flowing. Et le septième jour, la manne ne tombait pas. Soit le nom du Seigneur. Suivez-moi très attentivement. La manne qui tombait six jours. Frère Branham dit, ça tombait pendant la nuit. Et il ne devait pas manger la manne d'hier et le fils vivant. À chaque jour, succusait sa manne. Mais regardez bien, la manne tombait pendant les la nuit. Regardez comment Dieu, il a fait les choses. Dieu nous a conduit directement après sa mort. Il nous a conduit dans le sept âge de l'Église. Tu représentes les sept jours que la main nous tombait. Nous allons y arriver. We're gonna get there. Je n'aimerais pas y aller trop. I don't wanna rush. Yes. Je n'aimerais pas y aller trop. I don't wanna speed up.
Laissez-moi expliquer très attentivement. Like to explain it slowly. Pourvu que les gens puissent comprendre. As long people will understand. Quand ils sont sortis de l'Égypte. And when left the Egypt. C'était le type de la justification. That was the type of justification. Et Dieu les a conduits dans les déserts. And God led them into the wilderness. Parce que Moïse avait prophétisé. Because Moses prophesied. Qu'il devait faire un voyage de 3 jours. Et Frère Branham dit ceci. Says, il y avait un raccourci entre Égypte et Israël. There was a shortcut. Où il devait seulement faire un jour de marche. And the journey should at least take mais Moïse lui a dit, but Moses said, nous allons faire 3 jours de marche. We will go pour aller adorer notre Dieu. In order to go et vous êtes en tant que prophète, quand il prend cette écriture, il dit, ces 3 jours-là, c'est les 3 étapes de la rédemption. C'était la justification, la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit qui était symbolisé par la traversée du jour de la mer Rouge. C'est désert et l'entrée dans la terre promise. Vous m'avez saisi. Donc la justification, c'était la traversée de la mer Rouge. La sanctification, c'était pendant qu'ils étaient dans les déserts. Et le baptême du Saint-Esprit, c'était la terre promise. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Lisons cela. Let's read it. Exode. Du 30 juin 1963. Paragraphe 88. Frère Branham dit ceci. L'église doit faire la même chose. And the church gotta do it. Elle doit sortir du groupe de celles qui rejettent la parole. The flock of God denying the word. Pour entrer dans la promesse and du jour. To step into the day's promise. Amen. Est-ce que vous me saisissez? L'église doit faire la même chose. And the church, vous devez quitter du groupe de ceux qui rejettent la parole. Mais quand est-ce qu'ils ont rejeté la parole? Je vous ai parlé de la semence blée. Écoutez-moi très attentivement. Je tourne tout autour des mêmes choses pour que vous puissiez mieux comprendre. So that you may quand on plante la semence, when the seed is planted, quand elle pourrit et elle bourgeonne, when the seed is getting c'est les graines, ce sont les graines. Mais la vie de la semence the life est dans le feuille. Into the leaf. C'est la justification. The justification. Maintenant, Frère Branham dit ceci. Quand la vie quitte les feuilles, when the love leaves, pour entrer dans le pollen, and to step into the tree, vous allez voir, you will not, les tiges et les feuilles devenir jaunes. The bean will become yellow. C'est un signe qui montre que la vie n'est plus dans la tige, la vie n'est plus dans les feuilles, la vie est dans le pollen. C'était le type de la manne qui tombait. The fruit, that was the time of the quand la manne est tombée le premier jour, c'était le premier messager de l'âge de l'église. C'était Paul qui était sorti avec un message, message consistait à présenter Christ aux gens des nations. That was consisting to bring the people. Et parce que c'était une manne qui était valable, that way available, qui a donné la vie, that gave life, aux gens du temps de Paul. People of Paul's time. Frère Branham dit, when the Bible says, quand la manne, les jours passaient, and when the Bible, la manne pourrissait. And when we step the next day, the Bible was watching. C'est comme aujourd'hui. It's like today, quand on parle de l'histoire de Noé, when we speak about Noah's story, est-ce qu'aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés, il faut construire l'arche? Non. In order for us to be saved today, do we need to have God? Dieu a le monde par l'eau. God can never flesh. C'était une manne qui était valable du temps de Noé. That was the man of Noah's time. Est-ce que vous me saisissez? Do you understand? Plus les jours passent, the more the days, plus cette manne tombe, and the more the man of following, of falling. Amen. Suivez-moi très attentivement. Carefully. Suivez-moi très attentivement. Now need to be maintenant, non. Je suis en train de faire le parallélisme. Now pour vous montrer du côté de l'Israël et pour vous montrer du côté de l'Église, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est l'Exode. So that you may understand et où est-ce que nous allons
et où est-ce que nous sommes. And where are we going and where are we now? Amen. Amen. Suivez-moi très attentivement. Follow me carefully. Maintenant, now, quand ils sont sortis, and when the lab, Dieu les a amenés dans le désert. God brought them into il les a donné la manne. God has given qui n'est rien d'autre que la nourriture céleste. La nourriture des anges. Le frère Branham me dit, la manne c'est quoi? What is the man? C'est le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Ne confondez pas ici. Do not confuse. La terre promise Saint-Esprit et la manne Saint-Esprit. Ne confondez pas ces deux choses. Do not confuse those things. Suivez-moi très attentivement. Frère Branham me dit ceci. La manne, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, la parole, the word, c'est Dieu lui-même. Jésus a dit. God, Jesus said, nous pouvons le lire, c'est dans Matthieu 24. We can read it into the Jésus a dit. And là où se trouve le corps cadavre, Jesus said, where there is a God, là s'assembleront les aigles. Where shall gather the eagles? Amen. 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 Est-ce que vous avez saisi? Amen. Matthieu 24. Matthew 24. Jésus a dit ceci. Jesus said, là où se trouve le corps cadavre, where the body lay, là s'assembleront les aigles. They shall gather. Mais comment ça se passe? Regardez comment ça s'est passé. Donc quand ils se réveillaient le matin, ils trouvaient déjà la manne qui était déjà tombée. Ils ramassaient, ils mangeaient. Et quand la nuit venait, la manne qu'ils avaient déjà ramassée avait pourri. Même si vous la gardez jusqu'au petit matin, elle sera déjà pourrie. Il fallait jeter cette manne et aller prendre la manne qui était tombée. Maintenant, frère Branham a dit que cette manne est tombée pendant la nuit. Cela signifie quoi? Frère Branham a dit que cela signifie que c'était pendant les jonctions du temps. Suivez-moi très attentivement. C'était la jonction du temps. That was into the middle la jonction of the time. Du temps se passe entre deux jours. The middle of the time pendant que ce jour termine before, et l'autre jour commence. Wow, c'est là que la manne est tombée. Amen. Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, the Old Testament, il y avait un chandelier there was the candle avec sept conduits. With the seven candles. Quand on allumait le feu au premier chandelier, when they were taking on the candles, on n'allumait pas encore, on prend le feu, on allume le deuxième, on prend le feu, on allume le troisième. They non, light things ça ne s'est pas fait comme ça. Frère Branham a dit, not when, le feu qu'on avait déjà servi pour allumer le premier chandelier, the fire of the first candle, c'est le même feu qui servait à allumer les restes des chandeliers. The same fire that we were using to what does it cela signifie it means, le même Saint-Esprit qui était tombé le jour de la Pentecôte, the very c'est le même Saint-Esprit qui a continué à travailler tout au long des âges de l'Église. C'est la même manne qui tombait le premier jour. C'est la même manne qui tombait le deuxième jour. Mais la seule différence, c'est que chaque manne tombait en son temps. The same parole, la même parole que Colomba a prêché, c'est la même parole, mais cette parole tombée en son temps, selon les promesses du temps. Alors on ne peut pas confondre les promesses d'hier avec les promesses d'aujourd'hui. Amen. La promesse d'hier ne peut pas sauver aujourd'hui, mais il y a moins. Est-ce que vous saisissez? Amen. 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 Suivez-moi très attentivement. Follow me carefully. Ça tombait pendant 7 jours. And the man were flowering 7 days. Amen. La manne. The man, c'est du côté israélien naturel. It's from the Israel. Est-ce que nous allons manger? And ask,
What are we going to eat? Parce que les gens vont se poser, mais il a dit que la manne, c'est quoi? He's talking about manna. Jésus lui a posé la question. And the question of being asked. Matthieu 24. Matthew 24. Qu'est-ce que signifie le cadavre? What does it mean, the rough man? Qu'est-ce que signifie le seigle? What means the eagle? Lisons le prophète. Let's read the prophet. Question et réponse. Je suis dans le COD. Prenez l'écriture. Me into the COD. Page 755. Paragraph 7. Page 755. Page 700. Et paragraphe 55. Et paragraphe 55. La question numéro 239. And question number 239. Je suis trop rapide. La voix est partie. Amen. Amen. Il faut me supporter, je suis comme ça. And you get to pray with me. Mais ici, j'essaie de me contenir. I'm trying to build the soul. C'est moi quand je prêche, je saute. Un véritable sauvage. And jump everywhere like. Mais là, suivez-moi très attentivement. Réveillez ceux-là qui dorment. Amen. Moi, je sens que la parole est devenue intéressante. Est-ce que vous avez compris quelque chose ce matin? Nous continuons. Je vois les gens sourire, donc ils ont compris. Écoutez-moi tous attentivement. Nous sommes en train de parler de l'exode. Nous avons dit que quand ils sont sortis, et ils avaient quoi à la main? C'était la main qui tombait du ciel, la nourriture des anges. Maintenant, nous, quand nous sommes sortis, qu'est-ce que nous avons mangé? Jésus a répondu à la question. Il a dit, là où se trouve l'exode, c'est là où se rassemblera le Seigneur. Maintenant, nous voulons comprendre. Le cadavre de ce quoi et le zèle de ce quoi. Alors, on a posé la question à Frère Manam. Frère Manam, veuillez expliquer Matthieu 24, 26. Et Matthieu 24, 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront le zèle. Qui est le cadavre et qui sont le zèle? Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est Frère Manam qui répond. Elle est tout à fait valable. Elle mérite une attention toute spéciale. Les cadavres, c'est quoi? C'est ce dont les aigles se nourrissent. Les cadavres, c'est quoi? C'est la nourriture des aigles. Les aigles mangent quoi? Il y a une différence entre les aigles et les corbeaux. L'aigle ne mange pas quelque chose qui est déjà pourri. La caractéristique de l'aigle, il mange quelque chose qui est fraîche. Il mange quelque chose qui saigne du sang. Amen. Il ne peut pas manger quelque chose qui est pourri. Mais la femme me dit ceci. Le cadavre, c'est la nourriture des aigles. Un aigle dans la Bible, il est considéré comme un prophète. Un prophète est un aigle. Dieu dit être lui-même un aigle. Et nous, nous sommes les petits aigles. Alors, nous sommes les croyants. Voyez-vous, le cadavre dont ils se nourrissent, qu'est-ce que c'est? C'est la parole de Dieu. En quelque lieu que soit la parole, la véritable, la nature de l'oiseau se manifestera. La véritable nature de l'oiseau se manifestera. Voyez, qui ne veut rien d'autre que la viande fraîche. That means nothing beside the flesh. Amen. Nous allons continuer avec la lecture. Remarquez bien. L'aigle ne mange pas de la nourriture pourrie. L'aigle mange de la nourriture fraîche. Comme Israël. Il ne devait pas manger de la manne pourrie. Il devait manger de la manne fraîche. Et cette manne devait tomber chaque jour. C'est là que Jésus a dit. Là où se trouve le corps cadavre, c'est là
You are the spiritual. La Bible dit tu as transporté Israël hors d'Égypte sur les ailes d'aigles. Dieu a transporté Israël hors d'Égypte sur les ailes d'aigles. Les ailes de l'aigle, c'était Moïse. C'était le grand prophète qui avait la révélation en son temps de ce qu'était la véritable adoration. C'est pourquoi il a dit à Israël, pour la véritable adoration, vous devez effectuer un voyage de 3 jours. Vous devez passer par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit pour adorer. Maintenant, écoutez très attentivement. Ici, nous venons de lire que la nourriture des êtres, c'est la parole. Oh, il est dit dans la Bible, l'Éternel Dieu ne fait rien sur la terre sans vraiment révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et je vous ai dit, pour que l'exode soit réel, il faut la présence d'un prophète. Il faut la présence de la colonne de feu. Il faut la présence de l'ange de l'alliance. Maintenant, suivez très attentivement. Frère Branham dit ceci. Il ne s'agit pas de la parole d'hier. Il s'agit de la parole d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère Branham dit, dans l'Ancien Testament, quand la colonne de feu s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Mais quand la colonne de feu bougeait, Israël ne fait bouger. Mais quand la colonne de feu bouge, et toi tu ne bouges pas, il y a une marque sur toi qu'on appelle Ichabod. Tu es bougé. Tu es avancé. Tu es voyagé. Tu es passé de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Il est passé de Paul à Irénée. Il est né à Colomba. Colomba à Martin. Martin à Lydée. Tu es né rentré pas dans la nourriture d'hier. Vous avez saisi. Tu es avancé. Ne bouge pas par tes baptistes. C'est la nourriture d'hier. Tu as déjà avancé. Si toi tu restes dans le mouvement par tes baptistes, il n'y a pas la vie. La vie a déjà quitté le mouvement par tes baptistes. La vie n'est pas la parole du jour. Il ne s'agit pas de la parole d'hier. Il ne s'agit pas de Noé a fait.
ce qui donne la vie. That what gives life. Écoutez ce que Frère Branham dit. This is what William Branham says. Remarquez. Notice. Chaque fois que la nourriture restait, every single Israël était obligé de oublier. Food. Israel were burning that ce qui restait même de la manne était brûlé le lendemain. Even the remaining manna were burned the following day. Elle ne devait pas servir à la génération suivante. And that manna could not help or serve for the la parole qui a été accomplie hier. And the word that God fulfilled yesterday. La vie quitte cette parole et elle avance dans une autre parole. And the life leave that word move ahead. C'est de quoi Paul dit. That's where Paul nous said. Sommes en train de jusqu'à atteindre la stature de l'homme parfait. Amen. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Now you need to follow me. Amen. Le temps file. Now the time is running. Donc nous sommes en train de parler de l'exode. Regardez bien. Ils avaient les six jours pendant lesquels la manne tombait. Et Paul m'a dit, les six jours, c'était le type des âges de l'Église dans lequel la parole devait tomber. Where the word of God should fall. Et chaque parole suffisait pour un âge. Oui, not for one age. Amen. Chaque parole suffisait pour un âge. One word was sufficient for one age. Amen. Amen. Écoutez ce que le Frère dit. This is what William Farm says. Je suis dans pourquoi les gens sont si ballottés. I'm here, why people are well. Frère Branham dit ceci. Après qu'ils eurent traversé la mer Rouge, Dieu les a dirigés tout droit vers la terre promise. Par sa grâce souveraine. Et il a fait prévoir le ciel et la mer. La manne tombait chaque nuit. Et les gens mangeaient, prenaient cette manne. Et en faisaient le pain. Pour avoir la force du voyage. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, l'Église est censée manger le pain de vie. Le Seigneur Jésus. La parole. Pour avoir la force du voyage. Pour que vous ayez la force du voyage. Écoutez, suivez-moi très attentivement. Je suis en train d'expliquer l'exode. I'm really explaining si vous comprenez l'exode, vous allez if savoir you comment vous situer. Exode, you may know et comment adorer. And how you may et là, vous sauriez qui est-ce que vous êtes en train d'adorer. And from there you will know exactly who are you worshiping. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi très attentivement. Now follow me carefully. Frère Branham dit ceci. Frère Branham says. Est-ce que vous l'aimez? You love him. Amen. Amen. La vraie vigne et la fausse vigne. And the true wine and the faulty wine. Suivez-moi très attentivement. Follow me carefully. Frère Branham dit ceci. And Frère Branham says, je suis au paragraphe 35. I'm down from paragraph. La vraie vigne et la fausse vigne. And the true wine and the faulty wine. Du 7 juin 1950. From the 7th of June 1950. Frère Branham dit ceci. And Frère Branham says, remarquez. And notice. Aussitôt qu'ils ont traversé la mer Rouge. And they've crossed the Red Sea. Qu'ils étaient en voyage. And they were in the journey. Dieu a fait tomber la manne. Jusqu'à la fin du voyage. Amen. La manne qui tombait. Chaque jour. Pendant la nuit. Into the night. Qui était la succession et la jonction des jours. That was the flowing. C'est comme le temps du Saint-Esprit. It was the time. La parole qui tombait dans chaque âge. The word that was flowing. Elle terminait every age. La justification terminée. Sanctification commençait. And the sanctification was started. C'était celle-là qui était sanctifiée. Those were sanctified. Qui passait dans la justification. And the way. Vous ne pouvez pas enjamber les marches. You cannot skip the vous work. Ne pouvez pas enjamber la marche. You cannot skip vous ne pouvez pas quitter de la justification au baptême du Saint-Esprit. Non. You cannot skip from the justification. Frère Branham dit, les trois étapes de la vie. And the three steps quand of the il life. Il y a mort, il y a le sang, il y a maintenant la vie. Vous ne pouvez pas vous voyer là directement, vous voyez la vie. Non, you have lost the life. Vous devez passer par les trois étapes.
attentivement. Ça va venir. C'est le type du Saint-Esprit. Quand ils sont sortis du judaïsme et qu'ils sont restés le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Et depuis lors, il continue à descendre. Je n'aime pas votre attention. Prenez une bonne position, secouez-vous. Ne dormez pas. Get a good position. Do not sleep. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Do not sleep. Je ne vous sens plus. Suivez-moi très attentivement. Je vais expliquer. Frère Amélie, la main, c'est le type du Saint-Esprit. Cette main devait dormir. That man, tout le long de leur pèlerinage. Et frère, quand nous sommes passés du judaïsme vers le christianisme, c'est aussi un exode. Dieu nous avait passé du judaïsme, il nous avait le christianisme. Ça, c'est le deuxième exode, je ne veux pas y entrer. Mais frère, depuis ces jours-là, depuis que le Saint-Esprit est tombé, il n'est jamais reparti. Quand Israël adorait, le tabernacle d'Israël avait trois étapes. Il y avait le parvis extérieur. Il y avait le parvis intérieur qu'on appelle le lieu saint. Et il y avait le lieu saint de saint. Maintenant, Dieu dit à Aaron ici de prendre la main, de l'amener dans le lieu saint de saint. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham a dit, du temps d'Israël, l'adoration, la vie consistait à adorer en dehors du lieu saint de saint. Mais aujourd'hui, pour avoir la vie, il faut entrer dans le lieu saint de saint. La voix est partie. Prenez un peu d'eau. Amen. Amen. J'atterris déjà. I'm landing now. J'atterris déjà. I'm landing. Suivez-moi très attentivement. Je ne sais pas si vous avez saisi. La manne.
qui devait servir à la génération qui devait venir. The matter that should serve the generation brought by. Ça concernait une génération future. That we concern. À qui la génération consistait à traverser la peau des blaireaux. To whom? À qui? L'adoration consiste à traverser la peau des blaireaux pour bénéficier de la manne originelle. Et la manne originelle, c'est le véritable Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. They didn't receive the Holy Spirit into the Pentecost. Amen, amen, amen. Pierre n'a jamais dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés, et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Non, non. Vous brisez les Écritures. Pierre a dit, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, vous recevriez le don du Saint-Esprit. Et non le Saint-Esprit. Non. Parce que le Saint-Esprit, c'était une main qui était cachée, qui était réservée à une génération future. Et laquelle consistait à traverser la peau de l'héros pour goûter à la main originelle. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Ça demande des explications. Tout au long des âges, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient le don du Saint-Esprit. Amen. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un don de parler à la gloire. Le Saint-Esprit, c'est chez lui-même. Il est différent de parler à l'homme et de prophétiser. Ce ne sont que la manifestation. The Holy Spirit is totally different from. Mais aujourd'hui, frère Branham dit, aujourd'hui, today, au travers de sa mort sur le voie du calvaire, who is death upon the cross? Le voile a été déchiré. Soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, ce ne sont plus des sensations. Ce ne sont plus des parler en langue. Aujourd'hui, la totalité de la parole est dévouée dans l'église. Dans ses membres. Voilà l'adoration de l'homme. Sans cela, vous êtes dit à mort. Maudit soit tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair. Amen. Amen.
Parce que l'exode nous consiste à quitter. Nous faire traverser. You need to cross. Amen. Quand ils ont traversé la mer rouge, they crossed the Red Sea. Ils avaient un prophète Moïse. They had a prophet Moses. Qui les conduisait. Now we're leading them. Moïse est parti. And Moses left. Joshua a pris les relais. And Joshua took over. Mais avant d'entrer dans la terre promise, ce n'est ni Joshua, ce n'est ni Moïse, c'est le capitaine lui-même. C'est pourquoi frère Branham a dit, maintenant même, les voilà conductrices, les voilà conductrices, les portées de mes mains, c'est lui, l'ange du Seigneur. C'était un prophète. That was a prophet. Mais quand il faut entrer dans la terre promise, ça c'est Jésus. Le frère Branham a dit, mais pas quoi cela? Vous êtes incapable. Une grande marque est sur vous. And the Greek mark. Incapable. La gloire de Dieu n'est plus. Il n'y a plus de vie. C'est Dieu lui-même. God the Lord. Ce n'est pas ce que toi tu as fait. Tu montes. C'est ce que Dieu a fait. Oh frères et sœurs, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans le troisième exode. Nous sommes sur le point d'entrer dans notre terre promise. Pour Israël, c'était Canaan. Mais pour nous, c'est le millénium. Avant que nous entrions dans notre millénium, Dieu s'est manifesté dans la plénitude. Et frère Branham a dit, remarquez bien, quand Dieu se manifeste dans cet état-là, il amène à la foi à la maturité. Et aujourd'hui, nous avons assez de foi pour défiler la pesanteur. Amen. Oh mon frère, ma soeur, nous sommes dans le réveil de Malachie. Tu dois quitter la dénomination. Je termine avec cette histoire. Frère Branham a dit, en Inde, c'est un pays où il y a trop de clôtures. Les oiseaux, les animaux, ils se cachent tout autour. Ils se cachent dans des murs, dans des trous. Et les gens regardaient, ils observaient cela. Et les gens se posaient des questions. Pourquoi les oiseaux se cachent toujours dans les confort? Pourquoi les animaux viennent toujours profiter de l'abri? À un certain moment, on a vu les oiseaux, on a vu les animaux, on a vu des insectes. Ils ont commencé à quitter les murs. Ils ont commencé à quitter les murs. Et ils se sont retirés quelque part. Et quelques jours après, il y a eu tremblement. Et toutes les murs qui étaient là sont tombés. Et frère Branham a dit, le Dieu du ciel, il est allé parler à la nature pour les avertir du temps secret à venir. Pour leur dire, bientôt ces murs vont tomber. Allez-vous les toucher à l'air. Si Dieu fait le faire pour les ancêtres, à combien plus fort raison toi et l'être qui a son image. Sors de ta dénomination pentecôtiste. Le tremblement va passer. Tu mourras. Oui. Tu mourras. You will die. Vous savez. You know what? Nous sommes dans un temps où il faut se décider. We in a time you need to take a decision. Ne regardez pas ton mari. You don't look your husband. Ne regardez pas ta femme. Don't care about you. Jésus a dit, Jesus said, deux seront sur mes lits. And un sera pris. L'autre sera.
sera enlevé. J'ai pressé un jour comme ça chez nous. One day I was home. Et la femme a pris la décision. And the wife took a decision. De se faire baptiser au nom du Seigneur et de le faire. Et le mari lui a dit, and the man toi tu es une femme insoumise. Moi je ne dis pas, il ne faut pas aller là-bas. Subjected woman. Elle est venue me poser la question. Mon mari ne fait pas de baptême. J'ai dit, il ne faut pas aller là-bas. Si ton mari devient un obstacle au salut, la Bible t'autorise de ne pas obéir. La Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris dans le Seigneur. You can be subjected to your husband. Dans le Seigneur, ça veut dire dans la parole. It means into the word. Si ton mari te demande d'aller te prostituer, tu vas aller te prostituer. If your husband asks you to go, and tu la solution. Are you gonna do that? Ça doit être dans le Seigneur. It gonna be. That's maintenant, la sœur a fait la position de se faire baptiser. Le mari dit, si toi tu te fais baptiser chez l'économiste. It's moi et toi c'est fini. J'ai dit tu as le choix à faire. Soit c'est le mariage, soit c'est le salut. Me and you, it's we are about salvation in the way. J'ai pas aucune écriture qui m'appuyait. I didn't have any scripture that could support my idea. Le prédicateur elle a douté. Et elle est allée voir le pasteur. I went to talk to the pastor. Elle dit frère José m'a dit je dois choisir entre le mariage et le salut. Le pasteur dit oui oui. Soit c'est la vie éternelle, soit c'est le mariage. La femme de la terre regarda le mari dans les cieux. Elle dit si tu veux divorcer avec moi, tu as le plein droit. Mais moi j'aime Jésus plus que toi. Parce que c'est lui qui est mort pour moi. Il a payé le prix sur le bras du calvaire. Oh ma sœur, que ton mari ne soit pas un obstacle. Mon frère, que ta femme ne soit pas un obstacle. Prenez la décision ce matin. De servir le Seigneur Jésus. De croire le message de l'heure. D'être baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour une véritable exode. L'exode commence avec le baptême. La Bible dit, ils étaient tous baptisés à Moïse dans la mer rouge. Le fait qu'ils nous ont traversé la mer rouge, c'était le signe du baptême. Comment vous allez commencer votre exode sans le baptême? How will you start your exodus without being baptized? Comment vous commencez votre exode sans prendre la décision? How do you take? Inclinons nos têtes. Inclinons nos têtes. Let's bow our heads. Ma sœur, mon frère. My sister, my brother. Le Seigneur me pousse ce matin à te réveiller. Ne résiste pas. Ne reste pas dans les conforts dénominationnels. Le tremblement va passer, ça va s'écouler. Il n'y a pas de vie. La vie est dans le message. Je te lance l'appel ce matin. Avance. Les sons de l'appel sont là. Je sens cette résistance. Avance. Je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus. Ne regarde pas la vie d'ici-bas. Et si tu mourrais cet après-midi, je ne veux pas te forcer. Mais l'heure est venue où tu dois prendre la décision. Seigneur Jésus. Et puis, Seigneur, je crois le message. Je vais être baptisé. Mettez bien votre main en l'air. Just raise up your hand. Je veux voir votre main en l'air. Avancez, s'il vous plaît. Si vous voulez, donnez votre vie au Seigneur. Vous voulez que je vous baptise au nom du Seigneur Jésus. Je vous en prie, avancez. N'ayez pas honte. Ne regardez pas les choses. La vie éternelle est Dieu utilise les hommes pour sauver les hommes. C'est ça la loi de la rédemption. Je vous invite, ma sœur. Mon frère, toi qui as mis la main en l'air. Avance, s'il te plaît. Défiez la pesanteur. N'ayez pas honte de Christ. Approchez, avancez. Et dites, Seigneur. Je donne ma vie au Seigneur. Pendant que nous chantons, mon sauveur me conduit partout. Quoi désire d'avantage?
Jésus. Voilà l'ami. Si tu vois que ta terre ne produit pas les fruits, tu peux les renouveler. Si un problème que ne te permet pas de prospérer, tu peux les renouveler pour produire la vie de Christ. Pendant que nous invitons les pasteurs, avancez mon frère. Donnez votre vie au Seigneur. Le Seigneur prendra position de vous. Mon sauveur ne conduit pas à désir davantage. Tout est riche de sa grâce qui me guide dans la vie. Père du ciel, un grand fort vive par la foi constante en lui. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus le transforme en bien. Mon sauveur ne conduit pas à tout, mais console dans des Oh,
In Jesus Christ's name we pray all. Amen.